Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une lumineuse et joyeuse année 2021. Afin de bien commencer l'année, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un mode de jeu que vous avez probablement oublié. Les amis, laissez-moi vous présenter Hunter x Hunter UHC. Dans ce mode de jeu, deux camps principaux s'affrontent. Les gentils nommés les Hunters et les méchants nommés la Brigade Fantôme. Vous allez donc pouvoir retrouver vos personnages préférés, comme par exemple Machi, Kuroro, Gon, Killua, Kurapika ou encore Hisoka. Afin de remporter la partie, nous devons éliminer tous les rôles du camp adverse. Et rappelez-vous, lors de mes deux premières vidéo sur le mode de jeu, nous faisions partie de la Brigade Fantôme. Ne serait-il pas temps de découvrir un nouveau camp et un nouveau rôle? En tout cas, j'ai des caves de fou sur le pas de diamant, je sais qu'il y avait le leur à gauche, hein, j'ai vu. Attention, rôle maintenant. Oh putain, je rue, j'étais Gon. Je ne suis effectivement pas Gon, mais bel et bien son père, Jin. Ma grande connaissance sur le monde va me permettre de traquer n'importe qui sans me faire prendre. En effet, grâce à la commande slash locate pseudo, j'aurai la possibilité de connaître la position d'une personne, mais aussi son rôle. Je pourrai utiliser cette commande à tous les levers du jour. Cependant, si je localise un membre de la brigade, je perdrai 1,5 cœur, non permanent. De la même façon, si je localise un membre de l'association des Hunters, je gagnerai alors 2 cœurs, là aussi non permanent. Si je localise Kuroro Lucifer, je gagnerai également 2 cœurs, mais lui en perdra 2. Et enfin, si je localise Hétéro, ce sera lui qui en gagnera 2 et moi qui en perdrai 1. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est vraiment très fort. Il suffit d'avoir un petit peu de chance sur les personnes que nous allons voir et la game pourrait alors tourner à notre avantage dès le début. Du coup, c'est slash locate. Si on localisait Kuroro, il perd 2 cœurs et je gagne 2 cœurs. Oh, les gars, je vous explique, la game elle peut aller très vite. Si je trouve un allié. C'est simple, c'est simple. En vrai, c'est simple. En gros, Kuroro, c'est le rôle le plus pété chez les méchants, parce que ce rôle-là, c'est celui qui permet de... De toute façon, vous avez vu mes dernières vidéos, vous le savez. C'est celui qui doit venir, qui connaît la liste de tous les méchants, et il doit en gros les regrouper. C'est-à-dire, il doit aller leur dire, voilà, toi t'es avec moi, et voici ta liste de mates. Et du coup, ça fait que s'ils meurent, les gentils reçoivent la liste de leurs mates. Vraiment, là, j'ai... Mon rôle est insane de une, mais là, j'ai vraiment eu la chance. Ah bah tiens, on va le faire sur lui. Donc on va voir, mais normalement je crois que je peux pas tout de suite. On a deux méchants, le plus gros méchant et un autre méchant. Ça me fait chier qu'ils soient pas avec moi par contre. En vrai là pour le moment ils ont une bonne team les méchants. Mais par contre on a perdu de la vie à faire tout ça là. Attendez messieurs, on va se faire des gaps quand même. Ça va que le kill cave n'est pas autorisé, parce que sinon on va quand même se faire un full fer. Là les gars, je vous avoue qu'on est vraiment vraiment bien. En effet, nous connaissons deux gros rôles du côté de la Brigade Fantôme. Nous avons d'abord vu le créateur du mode de jeu, à savoir Hermès qui est Kuroro Lucifer. Kuroro est le membre numéro 0 de la brigade, la tête de l'araignée, autrement dit le chef de la brigade. Tous les jours, il pourra voler le pouvoir d'un membre des Hunters, juste l'espace d'une journée. Il pourra également, à partir de la 45e minute de jeu, savoir qui sont tous les membres de la Brigade Fantôme. Mais sa dernière particularité, et celle qui nous intéresse le plus ici, est qu'à sa mort, tous les Hunters sauront qui sont leurs alliés. C'est-à-dire que nous venons de découvrir le rôle qui, à sa mort, nous permettra de découvrir l'ensemble de nos mates. Mais encore faut-il le tuer. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'alliés. Cependant, nous avons découvert uniquement des membres de la Brigade Fantôme pour le moment. Hermès qui est Kuroro et Aim Blue Diamond qui est Charnalk. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations par rapport à ce rôle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le mode de jeu, car j'étais ce rôle. Le jour va bientôt se lever, ce qui signifie que nous allons pouvoir utiliser notre pouvoir. Ah, je crois qu'on peut respect quelqu'un. Excusez-moi. Oui, jour 4. On va spec Zwayne du coup. Oh, mais la team de fous qu'ils sont. En plus, je perds la blinde de vie à faire ça. Sérieux, il y a Zwayne et Blue Diamond Hermès de méchants, là? Ah, ils ont vraiment une grosse team. Hein. En vrai, il faut vite tuer Hermès. Très, très vite. Autant vous dire que c'est pas gagné, il va falloir bien jouer. Vous pouvez maintenant traquer une personne. Ok, très bien. Donc, on avait dit qu'on faisait... Nastal. Ok, c'est un gentil. On a récupéré de la vie. Nice. Poukourou. En tout cas, c'est un gentil, donc on va aller vite le voir dès qu'on peut. Et je vais lui transmettre mes informations, histoire qu'on aille tuer, bien tout simplement, Hermès en priorité. Voir si Simba est gentil. Ok, je peux traquer. Honnêtement, je pense aussi qu'il est méchant. Mais on va voir. Eh bien les amis, ça fait beaucoup. Ah là, niveau vie, on n'est pas fou. Bah écoute, je vais aller voir Nastal. Espérons qu'il me fasse confiance et que... Et qu'il me passe un petit peu de gapel. Hein. On va remonter pile 0-0. Très bien. Il faut absolument du coup qu'on trouve Nastal les amis. Nastal c'est la première personne à trouver parce que je pourrais... Ah ok, le 0-0 est par là-bas. Vu que c'est la seule personne gentille qu'on connaisse et qu'on va devoir quand même s'allier à quelqu'un pour tuer Hermès parce que... On va quand même se régénérer pas mal. Ok. Oh. Yo mec. Yo. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je peux te dire que je connais énormément de méchants. Mais toi j'en sais rien. Ah ok. Est-ce que tu as croisé Nastal?
Franchement, j'ai croisé personne, j'ai juste de sortir de grotte. Ok, tu viens d'arriver? Très bien. Ouais. Si tu es gentil. Ouais. Sache que je suis même pas midlife et que je n'ai pas beaucoup de gapple, que je suis un rôle très important pour les gentils. Du coup, si tu es gentil, si tu as un petit peu de gapple, je dirais pas non. S'il te plaît. Tu veux une gapple? En vrai, ouais. Si t'es gentil. Vas-y, Merci. Merci tiens, beaucoup. Je veux cette chance vite. Ok, merci. Ça fait plaisir. Il y a d'autres personnes là-bas. Ok. Ok. Bah regarde, il y a des gens là-bas. On va leur dire bonjour. Lui, il a brûlé des diamants parce qu'il est pas ouf. Yo, t'as dit quoi, Blue? Bah j'ai miné deux, j'ai brûlé deux diamants. Bon. Je sais, frérot, je sais. Donc c'est ah mais oui, je sais que tu sais. Sale bâtard. Merde. Aïe aïe aïe. Les amis, est-ce que vous avez croisé quelqu'un qui se nomme Nastal? Non, ça le connaît pas. Non, pourquoi? Nastal, comment ça s'écrit? Déjà. Il y a tous les méchants. Il y a tous les méchants au zéro, les gars. Vous l'avez sûrement compris, nous ne sommes pas du tout en bonne posture. Tous les méchants que nous avions traqués sont déjà au centre de la map. Et Hermès semble avoir déjà fait son travail de rassemblement des membres de la brigade fantôme. Et moi, je n'ai toujours pas trouvé la seule personne en qui j'ai confiance. Les choses vont très rapidement s'accélérer et j'ai besoin d'alliés. Les gars, tu cherches déjà ? Je cherche Nastal, gros. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui parle là-bas. Oh, terrible. Est-ce que vous avez croisé Nastal, les gars ? Non. Tiens. Salut Pega, ça va? Yo, ça va et toi? Ouais, ça va. Pega, pile, t'as besoin d'or, il m'en reste 4. Bah écoute, ouais, pile mec, je veux bien s'il te plaît. Le meilleur. Vas-y, j'arrive, gros. Moi, j'ai énormément d'infos aussi, les gars, genre vraiment. Mais je sais pas si vous êtes méchant ou pas, vous par contre. Bah, je sais pas, regarde les panneaux et. Dis-moi, on va voir ça coïncide. Oui, je sais, bah lui c'est 100%. Lui c'est 100%, en fait tout c'est 100%, je vous le dis, voilà. Jure. Oui. En fait, Hermaïs il est parti avec un Blue Diamond. Non, mais en fait c'est 100% les gars, je vous le dis, 100%. Mais, ouais, mais attends, j'explique. En mode, tu vois, j'ai un Blue Diamond, tu vois, il a dit à... Enfin, Hermès, il a dit à un Blue Diamond... Oui, mais ouais, moi je le sais de par mon rôle. Ton rôle en vrai il est grave cheat et les tout. Les 4 là. En vrai, on reste tous ensemble, on est hyper bien et tout. Du coup je fais, ok, il s'est passé quelque chose pendant un jour. Hop, j'ai regardé, pef. Hop, sa mère. J'ai fait ok, bon, c'est ciao, frérot. Attends, mais du coup, t'as fait que lui là, il fait partie de la brigade. Non, mais tous, Axar. Lui, c'est sûr. Non, sourd. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je vous dis que tous, 100%. Je le sais. Par contre, les gars, c'est groupe de 4, donc on sépare les. On fait deux groupes de 3 si vous voulez. Je reste avec Pilou déjà. Bah vas-y, je vous fais. Faites comme vous voulez, j'en fous. Hein. On est 3, vas-y, on reste à 3. Bah viens avec vous, moi. Onyx, Zodiac. Il se passe quoi? Il se passait quoi? Bah, tu vois le mort là? Ouais. Genre, je sais qui c'est qui l'ont tué, tu vois, mais j'ai pas capté comment ils ont eu les infos. Et c'est qui? Mais tant mieux. C'est Hermès, Wayne et. Il y avait Simba, mais Simba a pas compris non plus. Mm-hmm. Okay. Les gars, il faut séparer les gars là-bas. Pardon, excuse. Putain. Faut séparer, bah, on est trop. Non, mais je sais pas, bah viens. Un Blue Diamond. Venez, on fait un groupe. Attends, un Blue, Pilou. Et ouais, du coup, encore un. Oui. Il est vraiment méchant. Hein. Qu'a du Flynn, s'il vous plaît? Moi. Oh, what? Par contre, j'ai pas beaucoup de flèches. Il s'est fait agresser par un lapin. Ah, bah, moi aussi, j'en ai pas donc. Ah merde. Ouais, bah, j'en ai 0 là. Perdu. Ok. Ok. Pilou, viens. Attendez, bah, venez les gars, on s'écarte tous à 4 en fait parce qu'il y a un groupe là-bas. Non, en fait, j'allais attaquer, mais je me suis dit, Max, il était bizarre. Comme ça. Et donc, il y a deux méchants et deux gentils. Je suis mieux teint, bien évidemment. Non, tout le temps. Pilou est gentil, Alan est méchant, enfin, Blue Diamond est méchant, Max est méchant, du coup, on peut pas attaquer. Du truc là qui s'est passé. Et du coup, qui a tué qui du coup? Bah, c'est Hermès, Wayne et bon, Simba il a pas compris donc il a tapé aussi, mais genre sur le mec qui est mort. Tu les as juste vus de loin toi? Bah, ouais, moi j'étais genre j'ai entendu le fight, genre quand ils l'ont fight et tout, j'ai entendu, ils l'ont tué. Putain, mais Sponet, c'est okay. Vraiment la merde. Mais moi, c'est la réaction qu'ils ont fait, genre qui m'a un peu étonné, genre. Ok, vous avez un peu de bloc ou pas? J'ai pas de bloc. Ouais, frérot, j'ai fait des fours tout à l'heure, mais tiens. Thanks. C'est bon, c'est bon, merci. Wesh. De quoi vous faites quoi? Vous faites quoi? Bah, il a attaqué. Pourquoi tu fais ça, Pilon? Mais pourquoi fais ça? Bon, en vrai, moi. Je sais pas, hein. Mais. Mec, t'as pas pris des terres pour rien, hein. Mais ouais, sérieux.
Ok. Mais comment vous avez des Max fais confiance, Max fais confiance. Tue-le. Viens Pilou, tue-le. Ah. Ah oui merde. Pourquoi tu m'attaques les gars? Moi je suis bien renseigné gros. Tu dois pas. T'es bien renseigné gros. Tu dois pas m'attaquer. Si je suis bien renseigné gros. Ah là les gars, Philippe m'attaque. Oh bah gros bah y'a pas de soucis. Je suis bien. Attends, viens, je vais récupérer son stuff. Je suis bien en gap. Vas-y, je veux bien s'il te plaît. Et je vais récupérer son plastron. Putain, en plus c'est l'un des plus forts. Mais en fait, gros, t'étais pas au courant, mais. C'est pareil avec le stuff. Attends, c'était qui? C'est Max. C'est Max la menace. Comment il peut être là-bas? Il a perle. Non, il est passé au-dessus. Le mec, vous vous attaquez à putain Hunter. Pourquoi vous m'attaquez? Hunter de la combien? Mais gros, je connais ton rôle. Bah, je suis quoi? Bah, je m'en souviens plus exactement, mais je sais que t'es méchant. D'accord, c'est intéressant. Bah, je peux te le dire. Si tu veux, on fait une pause et je te le dis. Ok, ouais, une pause, d'accord. Gars, arrête de courir. Bah, toi, arrête de courir. Bah, arrête de courir, gros. Je te jure, si tu arrêtes de courir, ouais. T'es proche de moi quand même. Je te jure que j'arrête, gros. Je te promets. Ouais, t'as peur de vouloir arrêter. Je suis pas naïf, hein. Mais je te jure que, mec, je t'aurais pas tapé. J'aurais juste remonté le chat, je t'aurais dit ton rôle. Tu me crois pas? Bah ouais, y'a comme ton pote derrière donc Ça me prouve bien que t'es méchant quand même. Bah clairement pas. Bah si gros. Non, je suis pas méchant. C'est pas très bien joué de ta part, bah si gros. Non. Ça c'est bien joué. Merci. Ça fait plaisir. Aïe. Faut pas qu'il retrouve ses potes. Il va bientôt mourir. Je serai sa mort hein. Je crois que je t'ai tapé à la pancarte gros. J'ai le démon. Oh oui, ça fait du bien. Vas-y, finis-le. Je vais stop run, GG. Mais t'avais un rôle à faux ? Ouais. Moi aussi. Mais en fait, ouais. Vous avez pas eu de chance, j'ai vu que des méchants. Même si Pilou n'était pas au courant que Max était méchant, nous avons réussi à éliminer deux membres de la Brigade Fantôme. C'était le bon timing et heureusement que nous avons attaqué avant eux, parce que sinon ils auraient très bien pu rouler sur la game. Vous connaissez maintenant nos objectifs. D'abord retrouver Nastal qui est 100% notre allié, puis si l'occasion se présente, on peut continuer à éliminer les méchants dont nous connaissons l'identité. Zwayne ? Oui. T'as confiance en Onyx, enfin ton le gars là. Non, moi je voulais juste lui dire parce que je pense savoir c'est qui et qui Loa et l'autre là et Amy. Bah, je veux bien toujours savoir, c'est en plus des rôles chelous donc ça arrange tout le monde je pense. Ok bah venez on fait un groupe de 4. Salut. Bah, c'est 4. Non je sais pas, t'as des infos à part lui ou pas? Pour moi, Simba est resté à côté de Franklin, de l'autre là, de Franklin, et du coup il est peut-être Crollo. Parce que j'étais à zéro avec lui et Simba. Il lui a dit ça vous dérange Simba, pas ouais. Si je gap parce que j'ai quand même fait deux failles d'attaque. Moi je suis pas loin dessus mais j'ai pas besoin pour le moment. Mais oui tu peux vas-y. Bah après moi j'ai 3 coeurs en moins donc je sais pas. Il voulait lui parler par panneau du coup voilà. Pour moi c'est peut-être ça. De toute façon je vais pas attaquer hein. Et puis Cassidy et Nishio il reste bien à côté hein. Cassidy et qui? Et Nishio. Nishio, ok. Ok. En Astal c'est quoi son pseudo? Non j'ai pas croisé lui. Ok, bon là par contre je vais gaffe. Ok, frérot. Okay. Lui il est méchant. Ok, bah tant mieux. Et quoi là? Tu fais quoi, Pega? Je suis désolé, gros, mais je sais que t'es méchant. Ah, ok, bah c'est bon alors. Non, mais je le sais en plus de façon sûre. Hein, GG. Bonne game. GG, désolé. C'est qui? Ah. Non, venez pas. J'ai des flèches, ouais j'ai un peu de flèches. Par contre du coup les autres membres de la brigade on est dans la merde. Ah là j'ai call au pif, je vous le dis direct. De quoi t'as call quoi au pif? Bah tout ce que j'ai dit. Ah non mais non, je connais tous les méchants. Ah moi à peu près pareil. Je sais que c'est une bague méchant aussi. Oh putain mon bateau. Non. C'est lourd de mettre un bateau comme ça. Ouais. Il m'a protégé de deux flèches. Zwayne. Oh là là. Non. Ah j'aurais dû prendre un pseudo, sympa. T'as plus de pseudo? Je pourrais te mettre en feu. Aïe. C'est terrible. Le problème c'est que je connais les méchants mais je connais pas les gentils. Ouais. Tu peux venir si tu veux. Il faut juste qu'il y ait un mec qui nous rejoigne. Ah c'est Nastal? Ouais. Ouais frérot viens avec nous. Attends il est parti où Zwayne? Je l'ai vu partir là. Putain, mais toi t'as des yeux frère. C'est pas des yeux c'est le clavier mécanique. La puissance. Il a pas de clavier mécanique lui hein je crois. Ah bah j'ai cru voir un truc bouger là-bas. Putain fais chier. Si on le perd putain.
Ok, Nastal, attends. Tiens, frérot, déjà, mets-toi bien. Merci. Ouais, là, viens, viens, viens. Venez, 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 il est là. Ok. Merde, je l'ai vu, il était là. Il est là, il est là. Ok, il est là. Il y a des mécaniques, ma gueule. Je suis Dumbo. Je suis Dumbo, là. Un peu, là. Ouais, moi aussi, il y a un peu des méchants. Ah, oh, bah, nous, on est pas méchants, les gars. Hein. Il a under, ouais. Mais il a mal under. Ah oui, c'est vrai que toi t'as le rôle bien avec l'arc. Ouais. Ah, il a un... Pokoro, un truc comme ça. Ouais. Pokoro. Cool. Même si je suis pas trop attention. Merci, touché. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Toi, mais du coup, je vais lui mettre... Gros, l'anti-KB, gros, on dirait celui de Funcraft, mais... Ouais, Hermès, on a le droit de... Je se boost ou pas? Mais je crois qu'il est mute, en fait. Ouais, il est mute. Allez, tue-le, GG. Super, parfait. Par contre, on n'a pas eu... Ok, du coup... Impeccable, nous avons réussi à isoler et éliminer le chef de la brigade fantôme. Comme prévu, à partir de maintenant, nous avons la liste de nos mates. Les dernières suspicions que nous avons sur certaines personnes peuvent maintenant être levées. Il est maintenant temps d'éliminer toute l'araignée. Sterb, Sterb, elle est pas gentille. Oui. Alors, comment on fait maintenant? On est méchante alors? Oui! Je sais pas. Ah, mais c'est Machi! Elle est Machi! Meilleur rôle! Il est trop bien ton rôle! Je déteste! T'aimes pas ton rôle? Il est trop bien ton rôle! Ah non, je vais crever! Vas-y, Arco! Allez, Arco! Mais bro, c'est quoi ça? GG! Attends, il reste quoi comme rôle? Ah, allez! C'est groupe de 3, groupe de 3, par contre, venez, on fait. Moi j'ai avec Pilou, je reste avec mon groupe. Faites un groupe de 2 là. Il est là, à côté de moi. Ok, allez, je te suis. Genre 5, 6 blocs. T'as Pilou, c'est mes yeux et mes oreilles. Hein. Oh, si, moi je pense que t'as fait 2-3 trucs quand même, Simba. Ah putain, il manque 2 coups, genre. Avec une sharp 4, gros, ça fait mal. Mais je sais pas en fait qui est avec moi. Ah bah y'a lui qui est avec moi, ouais. Oui. Il était, ouais. Voilà. Ah, je crois que t'as force toi. Ah non, y'a plus de... Non, c'est pas force, mais juste la nuit. Voilà. Force toi. Désolé gros, je... C'est la défaillance. En tout cas, ça c'est mon élément. Donc ça passe. Oh, un bateau. Attention, ils sont ensemble, hein. Mais j'ai rien de flèche. J'ai pas... Non, j'ai 0 flèche, moi. Il y en a juste ici. Non. On est 3 à le suivre, les gars, ça suffit. Ah, allez, allez voir quelqu'un d'autre derrière nous, moi là. Les 4 plus gros méchants de la brigade en First Strike. Je sais pas comment t'appeler, mais. Les gars, les derrière moi, ceux qui sont derrière moi, allez. Séparez-vous. Ceux qui sont derrière moi, partez. Quoi? Non, mais ceux qui étaient derrière moi. Ah, ok. J'étais en mode, wesh, pourquoi je dois partir? Non, non, attends. Par contre, j'ai 3 gaps. What? Il est où son stuff? Mais on peut pas, on a plus de. On a le stuff droit pas. Le cobra. Coucou. On a besoin de blocs. Oh non. T'as de la chance que j'ai pas de blocs. Ah. Luc. Mec, je suis obligé d'utiliser des blocs en fer. Ouais, j'ai des blocs. Des lapis. Au secours. Ouais, mais là, c'est du. C'est pas bien là le cobra. Après, genre. Cobra, t'as pas eu de chance niveau minage, hein? Je me pense. Il fait vraiment avec des blocs de fer, il déconne pas en plus. Ah putain, les lianes, c'est le pire truc de ce jeu de merde. C'est bon, là c'est des. C'est moi qui aura le kill, hein. Je pense pas, mais bon. Ah. On a un temps de peur. Un poil dans la merde. Wouh. Tu nous diras combien t'avais de gap. Comme ça. Ok. Ah bah. Ah bah. Ouais, bah là, gros, j'ai perdu de la vie, c'est pas ouf. Oh putain. Salut mec, j'ai 3h30. Mort les gars. Oh oui. Oh, les gars.
Je suis bugué. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like, ça me ferait toujours super plaisir. On commence bien l'année en reprenant les bonnes habitudes, à savoir lâcher un petit hashtag Hunter si vous êtes resté jusqu'ici. Je vais terminer en vous annonçant quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Commençons donc par la mauvaise. Il faut savoir que cette vidéo est la dernière de la chaîne a priori en Hunter Hunter UHC, puisque le créateur du mode de jeu Hermès refuse de continuer à faire des game subs avec vous. Et moi, c'est uniquement ce qui m'intéressait, par conséquent, il n'y aura plus de game et donc plus de vidéos. Ceci étant dit, sachez que de nouveaux modes de jeu feront leur apparition sur la chaîne, et le premier dès la semaine prochaine, puisque vous aurez l'occasion de découvrir ce que vous me demandez depuis des mois, à savoir un UHC dans l'univers de One Piece. Et autant vous dire que c'est du très 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 lourd. En parlant de mode de jeu, sachez également que AOT UHC reviendra le 30, avec également une grosse surprise, je vous en dirai plus en temps et en heure. Je vous invite donc à rejoindre mon Discord qui est en description, ainsi que mon Twitter. Pour terminer, je vous annonce que nous sommes en train d'essayer d'obtenir le partner sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour faire simple, c'est une certification sur la plateforme, mais pour y arriver, j'ai besoin de vous. Par conséquent, c'est plus que jamais le moment de venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Le lien est également en description. J'espère continuer à vous voir très nombreux. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais encore vous remercier pour cette année de dingue qui a été 2020. Et autant vous dire que 2021 va être encore mieux, en tout cas je l'espère. Mais sachez que du très très lourd arrive. En tout cas, avec ces deux semaines sans vidéo, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Mais en tout cas, sachez que le rythme de vidéo va reprendre, à savoir une vidéo minimum par semaine. Et j'ai juste trop hâte en fait. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Pegaphil, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao ciao.